Salut à tous, on se retrouve donc pour la suite de ma partie, on continue avec la Corée. On va se préparer tout simplement à faire la guerre contre Korchine, puisque nous ne percerons plus encore exactement un an à attendre. Ça va, ils se sont bien mis le Korchine là. Je suis pas hyper ok avec ce qui se passe là. Raison de plus pour les attaquer. On va lever les navires. On a quand même plus 80%, on peut donc faire ça. Ils sont planqués ici, je pense. Toi, tu vas aller directos. Donc on a dit que c'était quand? En février. Allez, j'espère que t'es très bon vu. C'est très bon vu. Alors, on va prendre la capitale. C'est parti. On avance avec nos troupes. Face à nous, 9000 hommes, ils sont donc devant nous. Donc je compte sur... pour tout prendre, tant que moi. Allez, nous on les poursuit. On va baisser la vitesse. C'est plutôt tranquille. Est-ce qu'ils ont des navires? Deux navires. Il doit être par là-haut. Ah non, ici. C'est le Pacifique. De ça, moi, c'est donc je sais pas combien d'années quoi. Allez, on va commencer. Ouais, regardez qui se passe par là-bas. Dans le genre, on fait tout le tour. Bon, ça, on s'en fout. Je suis con. Bref. Ah non, je l'ai pas pris. Voilà, on va faire rapidement comme ça. Il doit être à Kalar, je pense. On est déjà à 47%. Ah, ils sont là. Aventurier Ming, un général de tradition 40 à Paris. C'est plutôt mieux ça. C'est bien 40. Bof. Allez, Junzhou revendique ça, je le donne. Pays est trop gros.
Il passe en territoire ennemi là. Non, je m'endors à s'améliorer ici là. Ça va pas. On a combien? Plus 70%. Ouais, nous allons prendre tradition militaire. Alors, tu veux la paix. Alors déjà, moi, en tant que moi-même, j'aimerais bien ça. Tout ce que j'ai revendiqué. Jorim, Tuwan. J'ai revendiqué tout ça. J'ai revendiqué ça également. J'ai coupé ton pays en deux. C'est pas très joli. Donc déjà avec ça, tu accepterais. Si en même temps je te demande ça, ça peut le faire. Tu revendiques ça, toi? Je vais te le donner. Non, reste là, toi. Est-ce que si on te donne 100 en plus, on a 68%. Allez, on va pas tout faire d'un coup. Tu pourrais redonner des troupes à Yeren, peut-être des trucs à Yeren? Non, même pas. Je t'attaquerai dans 10 ans. Je pourrais prendre ça et ça, mais non, ça fait un peu trop. Allez, et tu vas me donner des réparations de guerre. Hop. Elle est pas belle ma Corée avec ce trou rose au milieu. Comme d'habitude, on se positionne pour. Parce que le problème c'est qu'après il faut légitimer tout ça. On n'a pas forcément les. Tout l'argent. Ah, on a une frontière avec les Mongols désormais. Avec les Ararats, ces oreilles, ça doit être un petit peu gros, non? Ouf, ça pas grand chose non plus. Ici, y a rien à revendiquer. T'es même bien les Ming là. Alors. On a toute la province. On va faire comme ça. Qui c'est qui réclame? Les clercs. Ils sont pas contents, les clercs. Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Alors là, ici, je peux rien leur donner. T'as la fourrure. Faire un peu d'entraînement. On s'en fout. Pour l'instant, je dis rien, mais. Mais voilà quoi. Bout d'un moment, ça va pas le faire. Bon, et ma colonie là, presque finie, ma première colonie. Je peux pas récupérer beaucoup d'argent là. Moi, du papier, ça vaut, ça je crois le papier. Je pense donc qu'on va peut-être pas entraîner nos troupes, on va plutôt faire ça. Ça me paraît plus judicieux dans un premier temps.
coup, on peut faire une autre truc comme ça. On va revendiquer ça retourne. C'était aux Aïnous avant ou pas ça? Ouais, on a réussi notre première colonie. Eh bien, nous allons faire la suivante. C'était quoi qu'il y a dessus? De la laine. En avant. Colosée Midaga, c'est peut-être là où je devais, non? Ah bah si. Ils sont toujours en train d'explorer, voilà. Ah oui, ça y est, il vient de finir. Qu'est-ce qu'on fait? 50%? On va attendre un petit peu. Non, on va le prendre de suite, la croissance coloniale. Très important. En négatif, hein. Ouais, bah écoute, hein, toujours prendre 100 depuis le début, c'est plutôt bien. Peut-être qu'on en fait la paix avec eux. 492, on va finir avec Irène. T'as 10, ça commence à faire beaucoup. Hein. 10 par an. Ils ont de la chance qu'ils aient 3 fois plus d'hommes que moi, quoi. 4. Ça se passe comment ça? Promulgation du guide tu. Je sais pas trop ce que ça fait. Perte de stabilité, ça m'intéresse pas trop. Perte un petit peu de puissance. Ouais, les aurates. Fabrication. Une revendication sur Sartou, c'est fait. Trois 98, on est toujours bien là. Ouais, si on passe dans le positif, ah, c'est plutôt bien là. Le Ming, on se situerait juste au-dessus de la 7e puissance. J'ai mis tes chiffres au maximum, donc on va faire allez, ça. Voilà, de quoi explorer. Hein. Corée perd la légitimité sur Buyo. Non, mais non. Pas question. Le roi de séparatistes, Korchien. Combien? 17 000? Ok. Bah ça. 17 000, hop, 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 hop. On est à 80% là.
On arrête les conneries. Et on se regroupe. D'ailleurs. On va virer 6 000 hommes. On prend un risque à passer par là. Alors on gagne 2 partout en étant à fond au niveau de mes maintenances et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant. C'est même très très positif. On va garder un peu d'argent. On explore l'océan Indien. Ça sera compliqué, je pense, de prendre le Japon. Enfin, je pense. J'ai pas vu là, c'est quoi comme production qu'on a eu là? Des planches. Bois exotique. Pas fou. Tu mets de l'argent, on va le faire. On va prendre l'impôt qui coûte rien. Le répéter dans pas longtemps. Hein. On va attendre les 15%. En attendant, je serai pour prendre quoi? Il n'y a que des vaches ici. Pas des super provinces. Hein. Allez, on va prendre toutes les roses ici. De toute façon, c'est pour dans 7 ans. Entre-temps, on en finira avec ça. Faire ça. C'est quoi ce truc là? Oh là, y a pas de... De toute façon, les provinces sont vraiment pas super quoi. Par des vaches là, y a rien quoi. Le leader des vaches. Ça fait quoi d'être le leader incontesté de la production de vaches? Bétail. Ça fait quoi? De la cavalerie. Ah, je veux bien le croire, hein, parce que là, ça semble. Les nobles perdent 95 loyauté. Ouais, ça m'embête un peu. On va plutôt faire ça. Et on va convoquer une assemblée. Voilà. C'est revenu comme il faut. Bon, ça veut pas péter.
Putain, 10. Il se gave bien là. Conflits commerciaux, machin, on s'en fout. 10% on va économiser. Eh bien, ça fait 20 minutes. Voilà. Notre Corée va progresser bien. Prochain coup, je donne ça et ça à Jianzhou. Prochaine guerre, je récupère tout ça. J'annexe Jianzhou. Je m'attaque aux Mongols. Et après, on essaiera d'attaquer nos amis japonais. Ce serait un peu l'objectif. J'aimerais bien prendre au moins tout ce qui est cette partie-là. Là, les Mongols. Prendre ça. Coloniser tout ça. Là, parce que je pense qu'il y a des trucs sympas ici qui doivent coûter bien cher. Genre des pièces, des pierres précieuses. Ça fait quoi vite fait les pierres précieuses? Inflation. Ok. Eh bien écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite de la partie. Salut à tous.